Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Pour aujourd'hui, on va faire une glace au yaourt. On aura besoin de yaourt, donc soit du yaourt à la grecque, soit du yaourt nature, soit du fromage blanc. On aura besoin de crème liquide entière, bien froide, un peu de vanille en poudre et du sucre en poudre. Pour réaliser la recette, on pourra la réaliser dans une sorbetière, la réaliser à la main si vous n'avez pas de sorbetière, il n'y a pas de souci. Dans un premier temps, on va monter la crème liquide entière bien bien froide. Voilà, j'ai monté la crème comme ceci. Dans notre fromage blanc, on va mettre un peu de vanille en poudre et le sucre en poudre. Donc la vanille, on en met un tout petit peu. Et on verse le sucre en poudre. Puis on va venir incorporer dans notre crème fouettée. Vous aurez une glace au yaourt assez onctueux. Voilà, je viens de sortir la turbine à glace. Si vous avez une turbine à glace, donc vous prenez votre turbine à glace. Si vous avez une sorbetière, vous prenez la sorbetière. Si vous n'avez aucun des deux produits, ce que vous faites, c'est que vous la mettez la crème dans un bac allant au congèle et toutes les demi-heures, pendant 4 heures, vous allez remuer la préparation pour éviter qu'il y ait des cristaux qui se forment. Voilà. Et comme ça, vous aurez une belle glace onctueuse. Voilà, il me reste 15 minutes encore. Là, je suis à moins 22 degrés. Je l'avais mis pour 45 minutes. Donc, du coup, ça fait 30 minutes. Je vais l'arrêter. Parce que pour moi, la glace là, elle est prête. Donc, je vais la mettre dans un bac à long congélateur. Et je vais pouvoir faire la deuxième partie, congeler la deuxième partie. Regardez-moi cette texture de glace, magnifique. Voilà notre belle glace au yaourt. Je vous souhaite un bon appétit, je vous dis à bientôt.